nations. For his nation. Et pour les nations. And for nations. L'a arraché de son pays. Took him out. Dieu l'a arraché de son the pays. The Lord brought him out. Pourquoi? Yeah. For you. Yeah. En principe, il devait venir et partir. Normally, he was to come and go. Dieu dit OK. The Lord said OK. Je vais créer une situation. I'm going to create a situation. Pour que tu puisses bénir quelqu'un. For ici. You to bless someone here in the U.S. Et quand le temps marqué de Dieu sera and arrivé, the time marked by God will have come, laissez-moi vous dire une chose, un secret. Ça brûle dans son cœur de retourner. And it burns in his heart to go back. Mais Dieu dit non. But God says no. Il y a quelqu'un ici. There's someone here qui par tes mains, who through your hand, qui va devenir millionnaire. That is going to become a millionaire. Il y a quelqu'un ici. Someone here qui par tes paroles, who through your words, on recevra l'onction pour le ministère. Et il est là pour toi. And he's here for you. Alléluia. 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 Dieu m'a parlé de cet homme. The Lord spoke to me about this. Je suis venu pour Shekinah. I came for Shekinah. Mais je suis venu pour lui. But I came for him. Amen. Glory. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Ah, il est prêt pour écrire en même temps. He's ready to write down what I have to tell him. Hallelujah. Yes. Alléluia. Amen. Yeah. Alléluia. Hallelujah. Alléluia. Je suis content, je t'aime. I'm happy. I love you, my brother. Je t'aime de I love you with all my heart. Alléluia. Hallelujah. Alléluia. Hallelujah. Que Dieu te bénisse. May the Lord bless you. Que Dieu fasse de toi une source de bénédiction. May the Lord make of you a source of blessing. Alléluia. Hallelujah. Je suis un soutien. I am a support for you. À chaque fois que tu auras besoin. Each time that you will need me. Je serai là. I will be there. Je serai là. I will be there. Alléluia. Dieu m'a beaucoup parlé. The Lord spoke to me a lot about you. Et Dieu m'a dit. And the Lord told me. De me rapprocher de toi. To get close to you. Amen. De me rapprocher de toi. To get close to you. Alléluia. Hallelujah. Vous ne comprenez pas. You don't understand. Une grâce exceptionnelle. There is an exceptional grace. Il n'est pas parfait. He is not perfect. Mais il a Dieu en lui. But he has God in him. Ok. D'accord. On va revenir là-bas. D'accord. We will come back to that. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est prêt? Is someone ready? Pour qu'on commence. For us to start. Yes. Alléluia. Vous êtes prêts? Are you ready? Ce soir, je ne veux pas. Tonight, on va pas durer. We are not going to last long. Amen. On avait annoncé Amen. Que ça allait finir à 4 heures. We announced that it was going to end at 4 a.m. On ne finira pas. We are not going to finish at 4 a.m. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Permettez qu'on récupère un peu. Allow us to just recuperate a little bit. On veut finir à 1 heure. We want to finish at 1 a.m. Il est déjà 1 heure. It's already 1 a.m. Ok, on va faire l'effort. We are going to make an effort. Amen. Prenons notre Bible rapidement. Let us take our Bible very quickly. Prenons notre Bible dans Isaïe 60, verset 1. In Isaiah 60, verse 1. Le prophète a déjà touché le texte. The prophet has already touched the theme, the scripture. Isaiah 60, verse 1. Et nous allons aussi prendre Marc chapitre 10, verset 46. And we are going to take Mark 10, 46. Alléluia. Mark 10, 46. Veuillez m'excuser si je n'ai pas de Bible avec moi. I'm sorry if I don't have a Bible with me. Amen. Mark 10, 46. La parole est en moi. The word is in me. Amen. En principe, je travaille avec mon ordinateur, donc toutes mes Bibles sont dedans. Normally, I work with my computer and all my Bibles are in there. Mais ce soir, je sens tellement l'onction que si je bouge, je sais que l'ordinateur va se casser. And tonight, I feel the anointing so much that I feel like if I'm moving,
something I could break the computer. Amen. Amen. Alléluia. Donc Alléluia. Nous allons lire Ésaïe chapitre 60 verset 1. Isaiah 61. Et puis je vais parler d'une histoire que vous connaissez, c'est une histoire simple. Are we talking about a story? And then I'm going to talk about a story, a simple story that you know about. Voilà. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. On est prêt? Are we ready? Et si on lit en français ou bien en anglais ou on lit comme... Do we read in French or in English? The two. Non, je veux... I just want to read in one. On va lire en anglais. And so we will read in English. Sorry. Give me 2 seconds. Ici en principe, on devait même pas prêcher en anglais pour. You know what? Here, en français. We were supposed not to even preach in French. If you don't speak English, that will be your issue. Alléluia. Amen. Alléluia. Je suis prête. Tu es prête? Verset 1. Isaiah 60, verse 1. And I read. My version is the Amplified, so please follow with me. Arise from the depression and prostration in which circumstance has kept you. Rise to a new life. King James Version, please. Version la mes belles. C'est amplified, c'est comme français courant. Ok. Arise, shine, for thy light is come, and the glory of the Lord is risen upon thee. Say it again. Arise, shine, for thy light is come, and the glory of the Lord is risen upon thee. Lift up. Il dit, lève-toi. The scripture say, arise. Brille. Shine. Lève-toi. Arise. Brille. Shine. Lève-toi. Arise. La version française dit, sois éclairé. The French version says, be enlightened. Lève-toi. Arise. Brille. Shine. Ensuite, il dit quoi? For thy light is come. Attendez. Il y a deux lumières dans ce verset. There are two lights in this verse. Lève-toi. Arise. Brille. Shine. Amen. Brille. Shine. Qu'est-ce qui peut briller? What can shine? La lumière. Ça veut dire que avant que ta lumière n'arrive, toi-même tu vas briller d'abord. It means that before your light comes, you yourself you will shine first. Il y a deux lumières. There are two lights. Toi. You. Et puis la chose qui arrive. And then the thing that is coming. Mais pour que la chose arrive. But for the thing to come. Tu dois briller d'abord. You should shine first. Tu dois savoir que toi-même tu es lumière. You should know that you yourself you are light. Tu es lumière. You are light. Et la lumière brille où? And light shines where? Dans les ténèbres. In darkness. S'il n'y a pas de ténèbres. If there's no darkness. La lumière n'a pas d'effet. Light has no effect. S'il n'y a pas de ténèbres. If there's no darkness. Tu n'as pas de pouvoir de capacité de libérer la lumière. You have no ability to deliver your light. Dieu permet que you be light for your surroundings.
c'est l'introduction du message. This is the introduction. It's not a message. It's the introduction. Il y a des personnes qui pensent. There are some people who think that que la gloire de Dieu, that the glory of God, que la lumière, that the light, se manifeste là où il y a beaucoup de lumière. Manifests where there's a lot of light. C'est parce qu'il y a des ténèbres qu'on allume la lumière. It's because there's darkness that you light up the light. C'est parce qu'il fait noir. It's because it's dark qu'on a besoin de lumière. That you need light. S'il n'y a pas de ténèbres, if there's no darkness, on n'aura pas besoin de lumière. You don't need light. Quelqu'un n'a pas compris. No one understood. C'est parce qu'il y a la sorcellerie dans it's ta famille. Because there's witchcraft in the family. Que Dieu t'utilisera. That the Lord will use you. C'est parce qu'il y a des ténèbres. Because there's darkness. Ici dans ce pays. Here in this country. Que Dieu t'a conduit jusqu'à dans ce lieu. That the Lord led you here. Quelqu'un n'a pas compris. No one understood. C'est là où il y a des ténèbres. It's where there's darkness. Là où il y a des ténèbres. Where there's darkness. Là où il y a la sorcellerie. Là où il y a le chaos. Là où ça ne va pas du tout. Dis à ton voisin. Tell your neighbor. Tu dois briller. You should shine. Tu dois briller. You should shine. Tu dois shine. You should shine. Hallelujah. 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 Je sens l'onction. But I feel the anointing. Je sens l'onction. I feel the anointing. Je sens l'onction. I feel the anointing. Je sens l'onction. I feel the anointing. Est-ce que tu veux que Dieu descende ce soir? Do you want God to come down tonight? Hallelujah. 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 Ouf. Prophet, I feel a prophetic anointing. Hallelujah. Ce soir, je vais faire l'effort d'être. But tonight I'm going to make an effort to be short. To be cool. Parce que je sens que Dieu veut faire les choses aujourd'hui. Because I feel like the Lord wants to do things today. Il veut faire les choses demain. He wants to do things tomorrow. Il veut faire les choses dimanche. And he wants to do things Sunday. Hallelujah. 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 Prophète, je sens. Prophet, I feel l'onction. I feel the anointing. Et j'entends and de mon hear, esprit. I hear in my spirit. I see that it's a woman. Est-ce qu'il y a une femme dont le mari s'appelle Sika? Is there a woman here whose husband's name is Sika? Je sens une onction. Je sens comme si des gens ont jeûné, ont fait un jeûne. Fasted here. Je sens une atmosphère bizarre. I feel a bizarre atmosphere. Madame. Man. Je sens l'onction. I feel the anointing. Je sens l'onction.
de faire de bonnes œuvres. I see you doing great works. Amen. Je te donne 2 mois. I'm giving you 2 months.
jour. The Lord knows things so much that il est capable de he is capable of
de ressusciter les morts. The same God who's capable of resurrecting death. Ce même Dieu. That same God knows you. Alléluia. Hallelujah. 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 La soirée de demain sera une soirée prophétique. The night of tomorrow will be a prophetic night. Vous savez, lorsque j'ai commencé l'église, you know, when I started the church in Florida, les gens m'ont demandé, ils ont dit cette dimension d'onction, si réellement ça vient de Dieu. So people ask me that dimension of anointing, if it's true. J'ai besoin d'elle encore. I need her again. I want to bless her. Aujourd'hui là, c'est today is your day. C'est pas quel prière. I don't know what prayer you made. Tu as fait jeûne toute la semaine. You fasted the whole week. Vous avez jeûné.